Merci, bonjour à chacune et à chacun, mesdames et messieurs, monsieur le bourgmestre qui nous suivait, je le sais, en vidéo, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, très heureuse évidemment d'ouvrir à Nantes cet événement européen un an après la désignation de Nantes capitale européenne de l'innovation. Après Athènes, Paris, Amsterdam, Barcelone, Nantes aborde collectivement ce prix depuis maintenant une année. Je voudrais commencer par saluer chaleureusement mon homologue Mohamed Ridouani, bourgmestre de la ville de Louvain, qui a reçu le prix de capitale européenne de l'innovation pour cette année 2020, une année très très particulière, évidemment, eu égard à la crise sanitaire. Vous vous en doutez, la préparation de ce forum a nécessité des conditions très particulières. Je le dis à la fois pour celles et ceux qui sont dans la salle, mais aussi pour les 1300 personnes qui nous suivent en ce moment en visio. Vous l'avez évoqué, cela nécessite aux uns et aux autres de s'adapter. Merci aux organisateurs et aux organisatrices d'avoir permis ce croisement des regards, ce croisement des points de vue tout au long de la journée que nous allons partager. D'autant plus heureuse d'ouvrir cet événement que se trouve à nos côtés Dubravka Suica, commissaire européenne à la démocratie et la démographie, dont nous entendrons tout à l'heure un témoignage, et Judith Ferrando, qu'on connaît bien à Nantes, toutes deux mobilisées pour faire avancer la cause démocratique dans nos villes, en France et en Europe. À Nantes, vous le savez peut-être, nous sommes pleinement mobilisés pour bâtir une démocratie plus délibérative, une démocratie plus collaborative et des politiques publiques plus justes, plus efficaces. C'est ce qui a été récompensé au-delà de nos frontières nationales en 2019 avec l'idée que l'innovation pour tous, partout, est porteuse de solutions. Partout en Europe, nos territoires traversent une crise totalement inédite, une crise sanitaire qui est venue rencontrer une crise écologique et économique pour une part préexistante d'ailleurs. C'est évidemment une période de doute, une période d'hésitation, une période de questionnement pour bon nombre de nos concitoyens. Et pour y faire face, nous, élus locaux ou commissaires européens, avons la responsabilité d'imaginer avec les citoyens des solutions. Ces derniers mois, à Nantes, se sont structurées de multiples initiatives. Je ne vais pas toutes les lister là, on y reviendra dans les échanges. Et Fabrice Roussel, premier vice-président de la métropole, Christelle Scotto, vice-présidente en charge du dialogue citoyen, que je salue l'un et l'autre, savent à quel point ces initiatives citoyennes sont venues rencontrer l'engagement de la collectivité. Je pense à la plateforme d'entraide qui a été mise en place au moment du confinement et qui a permis aussi cet empowerment de citoyens qui avaient envie, et j'allais presque dire besoin, de prendre des initiatives. Pour autant, nous le savons tous, cette crise sanitaire a et aura des conséquences profondes et durables. Parce qu'elle bouscule le quotidien de chacune et chacun, ici, en France, en Europe, parce qu'elle a constitué, parce qu'elle continue de constituer un événement majeur à l'échelle mondiale, marqué, je le rappelle, par le confinement de près de la moitié de la population. Cela donne l'idée de l'envergure de ce qui se passe actuellement. Chaque jour, nous entendons les citoyennes et les citoyens s'exprimer sur cette crise, avec des réactions souvent très diverses. Certains nous disent qu'ils se sentent perdus, inquiets, parfois angoissés même, et d'autres donnent l'impression, nous disent parfois même, de se sentir invincibles face à cette crise. Autant de vécus, autant de points de vue. C'est la raison pour laquelle,
alors de tirer les premiers enseignements d'une crise qui se poursuit, mais aussi de réfléchir à l'avenir de notre métropole, nous avons pris la décision de lancer une grande démarche de concertation citoyenne, avec deux étapes. La première, une enquête téléphonique auprès de plus de 2000 personnes. La deuxième, à venir, une grande convention citoyenne. Parce que nous considérons que dans ce moment particulier, c'est essentiel, important d'entendre les experts, ce sera aussi le cas aujourd'hui, mais que nous avons besoin et envie d'entendre les citoyens, de leur redonner la parole, en quelque sorte. Nous assumons de dire qu'à l'heure d'inventer un nouveau modèle plus soucieux des humains, plus soucieux de la planète, à l'heure d'inventer ce nouveau modèle qui s'impose, nous devons et nous pouvons compter sur la mobilisation de tous. Alors évidemment, ce nouveau modèle, il passe par une vision et une pratique de gouvernance ouverte. Je peux vous garantir que dire ça à un pupitre ce matin, c'est relativement aisé. À traduire chaque jour, chaque semaine, chaque mois dans notre vie collective, ça demande beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement et beaucoup de mobilisation. Nous voulons créer les conditions d'un partage et entendre l'expression des citoyennes et des citoyens. Cette convention citoyenne, c'est l'exigence de vrais temps de travail, de vrais départs, de garantie d'entendre la diversité des points de vue. Cette convention citoyenne, finalement, c'est la réponse de notre capitale européenne de l'innovation 2019 à la crise sanitaire majeure que nous traversons. Parce que cette crise, aussi grave soit-elle, elle ne se résume pas à des questions de gestion, à des questions de modalité. On voit bien, on sent bien qu'elle réinterroge parfois le sens de l'action publique, y compris parce qu'elle est venue révéler un certain nombre de paradoxes dans notre modèle de consommation, dans notre modèle de production. C'est particulièrement vrai, par exemple, sur les sujets d'alimentation. Et puis, elle est venue rendre visible, ou parfois plus visible, des fragilités qui, pour une part, préexistaient dans nos sociétés. Une telle crise, elle permet aussi de se transformer, à condition d'offrir aux citoyens la capacité de s'en saisir, la capacité de s'en emparer, la capacité de contribuer. C'est le chemin qui nous guide à Nantes et depuis maintenant longtemps. Autant vous dire que cette crise est venue renforcer cette certitude. Si Nantes a obtenu le prix de capitale européenne de l'innovation, c'est donc pour le choix que nous avons fait de mettre les citoyens au cœur de l'innovation dans tous les domaines pour qu'ils en soient acteurs véritablement et à part entière. L'innovation avec tous et pour tous, c'était le cœur de notre candidature. Les grands débats, le Nantes City Lab, les 15 yeux, la Creative Factory, l'ESS Factory, la méthode qu'on retient à Nantes profondément en matière de dialogue citoyen, c'est tout cela que nous avons mis au cœur de cette démarche. Oui, à Nantes, l'innovation est véritablement au cœur de nos différentes politiques publiques. C'est vrai pour le numérique, pour l'intelligence artificielle, pour la santé du futur, pour le manufacturing, pour l'industrie culturelle et créative, mais c'est vrai aussi pour la manière dont on travaille sur la proximité dans nos différents quartiers, sur la manière dont, avec les parents d'élèves, on considère que l'éducation doit être un domaine ouvert et partagé. C'est vraiment l'idée d'une innovation qui n'est pas que technique, d'une innovation sociale, d'une innovation écologique, d'une innovation démocratique. Et puis c'est considérer aussi que l'innovation n'est pas une fin en soi. Est-ce que l'innovation est par essence vertueuse ? Je ne crois pas. Je crois que la question, c'est de savoir comment les moyens d'innovation, nous les mettons au service d'un projet de société et donc ici d'un projet de territoire. Alors oui, à Nantes, nous considérons que l'innovation peut être un moyen d'améliorer le quotidien des femmes et des hommes, que l'innovation peut être un moyen de répondre collectivement aux défis de toutes les transitions, qu'elles soient climatiques, numériques, démographiques, démocratiques, et que l'innovation peut être un moyen de lutter contre les inégalités. La période actuelle nous rappelle, et parfois douloureusement, à quel point nous avons besoin d'améliorer le quotidien des hommes et des femmes dans nos villes et donc en Europe. Ce besoin, il est fondamental, y compris face à une forme de défiance qui s'installe, et de manière assez profonde, à la fois à l'égard de nos institutions nationales, mais aussi, disons-le nous ici, Européens convaincus, à l'égard des institutions européennes. Chacun le mesure, chacun le sent, l'Europe peut parfois paraître un peu lointaine à nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Alors je crois que nous avons un enjeu, mettre toutes nos forces au service de l'idéal européen pour répondre à ces défis sociaux, écologiques, économiques, démocratiques. Dans les rues de nos villes, de nos métropoles, nous entendons, et de plus en plus, et c'est tant mieux, parler anglais, italien, espagnol, polonais, touristes d'un week-end,
Étudiants Erasmus, entrepreneuses, entrepreneurs, artistes, l'Europe s'entend, se voit et se vit au quotidien. C'est pour cette Europe vivante, cette Europe humaine, cette Europe des citoyennes et des citoyens que dans nos villes, nous nous engageons. Parce que si l'action locale, elle est déterminante, le changement de modèle, il passera aussi par un changement passera aussi par un changement d'échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que les transitions qui sont à l'œuvre dans nos villes, nous devons les porter. À l'échelle nationale, c'est ce que je fais avec la présidence de France Urbaine, qui est l'association des grandes villes et agglomérations et métropoles de France. C'est ce que nous faisons aussi les uns et les autres dans les réseaux européens. Je pense en particulier au réseau Eurocities, que Nantes a eu la chance et l'honneur de présider pendant 2 ans. En y travaillant spécifiquement sur ces enjeux de dialogue citoyen, nous y assumons la présidence d'un Creative Citizenship, d'un groupe de travail partagé, dans lequel nous avons eu à cœur d'inventer un cadre commun de travail, d'inventer des principes partagés autour des sujets de démocratie citoyenne. Ces principes, ils reposent sur les contributions d'une cinquantaine de villes et d'experts, et je voudrais ici ce matin très chaleureusement les en remercier. Oui, nous avons besoin, nous continuons d'avoir besoin de vos points de vue, de vos expertises, de votre capacité aussi à nous stimuler pour aller encore plus loin sur ces sujets et de se donner les moyens d'avoir une culture commune, d'avoir une culture partagée sur ces questions absolument majeures. C'est donc un vrai plaisir de pouvoir avoir la contribution ici de Dubravka Suica, témoignage de la volonté claire et engagée de la Commission de soutenir et d'accompagner ces pratiques citoyennes ouvertes et créatives. Alors naturellement, nous allons continuer à nous engager, continuer à nous mobiliser, continuer à nous réinventer. Ce prix de capitale européenne de l'innovation, nous l'avons vécu depuis le début comme un encouragement à poursuivre, à faire plus ou parfois tout simplement à faire autrement, à le faire avec les autres. Avec les autres, c'est d'abord à l'échelle de nos 24 communes, c'est bien sûr à l'échelle de la métropole. C'est aussi dans cette alliance des territoires que j'affectionne, dans ce lien à inventer autrement entre les territoires urbains et les territoires ruraux, et puis dans notre capacité à porter à l'échelle européenne la voix des villes, parce que quand on mesure les enjeux des transitions et des crises qui sont devant nous, oui, les villes ont leur mot à dire. Les villes ont une expertise à apporter, pas simplement à la fin, pas simplement dans la déclinaison de l'action, mais en amont. C'est tout le travail porté par les réseaux de villes européennes sur la question de l'agenda urbain, sur le fait que ce point de vue doit pouvoir être intégré. Je sais que la Commission y est attentive et je les en remercie par avance. Je vous souhaite tout simplement à chacune et à chacun une journée stimulante, une journée de débat, une journée de partage et puis une très belle journée nantaise pour ceux qui sont ici. Merci. Merci beaucoup, Joanna Roland, pour ce message plein d'optimisme malgré les enjeux qui traversent particulièrement les villes. Et vous avez fait état de tous ces enjeux, mais également un message d'optimisme et la place aussi de l'innovation qui permettra ce dialogue citoyen malgré des conditions très difficiles. Donc ça, c'est vraiment positif, je dirais, pour l'avenir. Et ça lance vraiment ces 2 jours de conférence. On est en plein dedans. Maintenant, je voudrais donner la parole par message vidéo à la prochaine capitale européenne de l'innovation. Et nous avons un message de Mohamed Redouani, qui est bourgmestre, c'est ainsi comme on les nomme en Belgique, bourgmestre de Louvain. Message vidéo, Mohamed, c'est à vous. Hello everyone, my name is Mohamed Redouani, I'm the mayor. Bonjour à tous, je suis le maire de Louvain en Belgique. J'aimerais sincèrement remercier Joanna Roland, la maire de Nantes et son équipe. J'aimerais remercier et féliciter bien sûr les citoyens nantais, les habitants de Nantes, les chercheurs, les différents acteurs qui ont contribué à ce rêve nantais. C'est un honneur pour nous que de se voir transmettre ce prix des mains de cette belle ville qui nous remplit d'inspiration. Même si nous le faisons à cette ère du Covid en ligne, de manière virtuelle, nous sommes néanmoins ravis d'être la nouvelle capitale de l'innovation
de l'Europe pour l'année prochaine. Je pense que ce que nous avons en commun, c'est que nous nous efforçons tous d'aller de l'avant. Le progrès pour tous, c'est ce qui nous guide et nous essayons d'y parvenir grâce à l'innovation. Ce qui est essentiel sur ce chemin, c'est que nous essayons de le faire pour nos concitoyens et avec nos concitoyens. Nous voulons les inclure dans une transition juste et non pas appliquer un schéma ou des projets élitistes où il y a ceux qui participent et ceux qui ne participent pas. Je pense que c'est la bonne manière pour aller de l'avant en Europe. C'est ce qui se produit dans des villes comme les nôtres. Et encore une fois, j'ai hâte de travailler avec vous et avec toutes les villes qui souhaitent être chef de file de ce nouvel ordre du jour européen, d'une Europe plus sûre d'elle, plus confiante en elle, une Europe qui sait forger un nouveau nous pour se rassembler et écrire ensemble notre avenir. Merci, merci à nouveau et j'ai hâte de vous rencontrer à nouveau en personne. Merci beaucoup pour... De Nantes, sur une thématique très, très proche. Et finalement, cette capitale européenne de l'innovation, pas seulement attribuée parce qu'une ville pourrait accueillir un certain nombre d'acteurs qui innovent, mais vraiment des villes qui sont acteurs elles-mêmes de l'innovation envers leurs citoyens. Donc là, vraiment un lien très fort qui sera également détaillé par un message vidéo de la commissaire Dubravka Suika, commissaire européenne et vice-présidente à la démocratie et à la démographie, qui va nous parler un petit peu de ces enjeux citoyens au niveau européen. Chers maires, mesdames et messieurs, chers invités, c'est un plaisir pour moi que de contribuer à cette discussion innovante qui se tient aujourd'hui à Nantes. En janvier de cette année, je me suis rendu en France à Orléans et à Paris et j'ai pu goûter moi-même à la démocratie et à l'innovation française. Nantes, effectivement, je le vois, n'a pas volé son titre de capitale innovante de l'Europe. La participation politique va au-delà du fait de se rendre aux urnes. Mon travail, c'est de m'engager pour la participation citoyenne et la participation à tous les étages, je dirais, des processus décisionnaires. J'ai participé à la mise en place de dialogues multiniveaux dans toute l'Europe. C'est la seule manière pour nous de mettre en place une transition verte et numérique juste. On sait qu'il y a une course pour le vaccin, mais le vaccin dans sa version démocratique également. Il faut mettre l'accent sur la délibération, sur le mouvement ascendant du processus décisionnel. On pourrait se demander pourquoi j'aborde ces questions. Parce que la démocratie souffre à l'heure actuelle. Beaucoup de gens se sentent laissés sur le bord de la route et ils accusent la démocratie elle-même. Mais la démocratie est toujours la meilleure des inventions. Il nous faut inventer des manières nouvelles de répondre aux besoins de nos concitoyens. La démocratie représentative fonctionne bien, mais elle n'est pas sans problème et sans défaut. La démocratie représentative européenne, c'est 1 million d'élus à l'échelle du continent. Et il faut prendre en compte les opinions de ces collectivités locales et de ces échelons locaux. La ville de Nantes est un exemple formidable de la manière dont les villes peuvent mettre à profit cette participation citoyenne pour s'attaquer aux enjeux sociétaux, sociaux, le vieillissement, l'inclusion sociale, le développement économique. En matière de transition énergétique, vous avez mis en place des projets tels que le Nantes Energy Lab et vous participez à l'effort européen en la matière. Vous avez su inclure les citoyens au cœur de vos processus décisionnels pour mettre en place un changement systématique. Dans toute la France, d'autres villes ont rejoint le pacte des maires, Nantes bien sûr aussi, et je félicite Nantes sur son ambition pour réduire ses émissions par habitant de 50% d'ici à 2030. J'encourage toutes les villes représentées aujourd'hui
a évoqué une possible révision de cet engagement, ce pacte des maires, pour refléter les nouveaux engagements pour le climat. Alors, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir? La politique a changé, on le sait. Mon rôle, c'est de faire le lien entre les concitoyens européens et les institutions qui les gouvernent, pour combler le fossé entre les attentes et la réalité. Notre société a changé. Nos travaux en matière de démographie et de démocratie le montrent. On ne peut pas résoudre les problèmes de maintenant sans regarder ce qui se passe sur le terrain. Il faut amener un nouveau schéma de pensée au niveau européen, à la base de démocratie représentative et de confiance dans les institutions démocratiques. Cette idée de confiance, c'est le fil rouge de nos réflexions. Au cours de cette conférence, nous pourrons entendre les préoccupations des Européens aujourd'hui. Il faut qu'ils participent au processus décisionnel au niveau européen pour que celui-ci soit plus réactif. Je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiètent du rôle que peuvent jouer les villes et je voudrais justement parler de cela et être très clair. La conférence que j'ai évoquée ne concerne pas un État membre ou un pays en particulier ou des acteurs. Non, elle appartient à nous tous, organisations de la jeunesse, élus, représentants de la société privée publique. Et il nous faut renforcer la démocratie représentative en donnant l'occasion d'étendre la liberté et la démocratie. Et la démocratie délibérative. Il faut maintenant se servir des bons outils pour travailler justement au service de nos concitoyens. C'est vraiment un des enseignements que l'on peut tirer de la pandémie actuelle. C'est seulement en faisant participer étroitement nos concitoyens que l'on pourra surmonter la crise actuelle. Le processus de la conférence doit être guidé par les principes d'inclusivité et d'ouverture. C'est essentiel. Tous les concitoyens doivent être inclus. Nous ne laisserons personne sur le bord de la route. Je veux parler à ceux qui, d'habitude, ne sont pas inclus dans le dialogue. J'ai lu les 5 principes d'EuroCities sur les engagements des concitoyens et je trouve que cela rejoint bien les principes de la conférence, c'est-à-dire que les concitoyens et les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer pour l'organisation d'événements sous l'égide de la conférence et justement pour avoir un retour des concitoyens en utilisant un mélange d'événements hybrides, virtuels, en présentiel. Tout le monde pourra participer de manière interactive, y compris via une plateforme numérique multilingue qui sera le guichet unique pour toutes les informations liées à la conférence. Avant le Covid-19, j'ai parcouru l'Union européenne pour aller écouter nos concitoyens et nos élus. Et je suis convaincu que sur les questions de santé, la réponse européenne aura une présence très importante au cours de la conférence. Cela a été souligné d'ailleurs par la présidente von der Leyen dans son discours sur l'état de l'Union. Les citoyens, nos concitoyens doivent savoir que leur voix est entendue et pèse dans les décisions au niveau européen. Ce sera à cette aune que nous pourrons mesurer notre succès et je crois que si l'on prédéterminait le résultat de cette consultation, de cette conférence, ce serait pire que de ne pas du tout avoir de conférence. Les concitoyens ne doivent pas passer au second plan. J'ai été élu local, national, régional et je sais de quoi je parle. Mesdames et messieurs, pour conclure, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est temps de faire preuve de créativité en matière de participation innovante. Les 3 objectifs de notre commission sont inclus justement la transition verte et innovante. Et il faut prendre en compte les préoccupations de nos concitoyens. Je suis certain que ces préoccupations sont liées en partie à la santé, au changement démographique et démocratique qui sont en train de se produire. Il faut que cela influence nos décisions pour influencer nos projets. Cette conférence est une occasion pour se reconnecter avec les concitoyens au-delà des élections. Cela permettra de cimenter la confiance, la solidarité. Donc faisons participer nos concitoyens, travaillons ensemble pour construire la société que nous voulons maintenant
et dans l'avenir. Renforçons nos institutions démocratiques grâce à la participation, à la délibération citoyenne, un processus ascendant. Nous devrons y parvenir avec la France, avec Nantes, avec des organisations telles que Eurocities, avec les maires et les concitoyens. Merci. Merci beaucoup pour ce message à la commissaire Suica d'être parmi nous malgré les complications, la distance. C'est toujours important d'avoir ce message depuis les commissaires. Ça montre l'importance de l'engagement citoyen aussi pour l'échelle européenne. Et nous aurons l'occasion de parler de cette implication des citoyens avec notre prochaine intervenante, Judith Ferrando, qui est coprésidente de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, qui va me rejoindre sur scène. Judith, vous travaillez beaucoup sur les questions de participation citoyenne. C'est vraiment le cœur de votre sujet. On a entendu Johanna Roland mentionnait une grande initiative nantaise sur une consultation publique avec les citoyens. À nouveau, un message de la commissaire Suica sur ce grand sujet. En même temps, comme l'a dit Johanna, c'est simple de le dire au niveau d'un pipitre sur scène, c'est plus compliqué de le mettre en œuvre. Quels sont, selon vous, alors ces grands ingrédients auxquels les villes doivent penser quand ils se lancent dans ce type d'initiative aussi importante, surtout dans un moment comme celui-ci ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner cette occasion de m'exprimer devant vous. Merci beaucoup à Johanna Roland d'avoir lancé cette journée sous le signe à la fois de l'innovation, mais l'innovation pensée et mise en œuvre avec et pour les citoyens. Alors, la question des ingrédients que vous me posez, je vais commencer par répondre d'une première manière, qui est en vous présentant en fait un travail qui a été mené collectivement par des métropoles qui se posaient la question de quelle place pour les citoyens pour inventer les métropoles de demain. Cette démarche collective qui a donné lieu à la publication très récente d'un manifeste des métropoles participatives a été effectivement en partie portée par l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, qui est un réseau qui réunit plus de 1500 praticiens des questions de concertation et de participation citoyenne. Ce qui nous réunit au sein de ce réseau, c'est la conviction qu'aujourd'hui, la multiplication des démarches de participation citoyenne n'ont de sens que si on est en capacité d'en mesurer l'impact dans la transformation démocratique, dans l'émancipation des citoyens. Et cet espace est un espace réflexif où nous regardons ensemble comment améliorer les processus, non pas les outils, mais les processus participatifs. Quand ce groupe d'échange de pratiques entre 13 métropoles s'est mis en place en 2017, avec une montée en puissance avec des rencontres à Grenoble en 2017, puis l'élaboration de ce manifeste, ce qui réunissait les praticiens, donc étaient des agents qui travaillent dans ces métropoles, c'était de se dire qu'aujourd'hui il y a toute une offre de participation qui sont faites à l'échelle métropolitaine ou des villes aux citoyens, mais qui ne font pas sens, qui ne font pas système. Comment on se donne les moyens d'associer les habitants de manière sincère à la fabrique des politiques publiques, notamment sur ces échelles, les échelles métropolitaines, mais ça vaut tout à fait encore plus pour l'échelle européenne, qui peuvent paraître loin du quotidien des citoyens, qui peuvent paraître des échelles de décision assez abstraites. Comment on part du sens que ça peut avoir pour les citoyens, comment on part de leur vécu, comme le disait tout à l'heure Johanna Roland, pour enrichir les pratiques décisionnelles à cette échelle. Et donc, c'est l'idée de reformer une nouvelle forme de contrat politique avec les citoyens qui est au cœur de ce manifeste. Ce manifeste, que vous pourrez trouver en ligne, il ne dit pas quels sont les bons outils, qui sont les bonnes manières de faire. Il y en a plein, il y a une créativité sans limite. Ce qui est le plus fondamental, c'est pas tant l'outillage que finalement le point d'atterrissage. D'être sûr que les décideurs,
publics, mais parfois aussi des décideurs publics et privés, quand on est à l'échelle de l'Europe notamment, sont en capacité d'entendre et d'intégrer dans leurs propres décisions la parole des citoyens, sans la déformer, en étant aussi prêts à être surpris, sans prédéterminer à l'avance le résultat, comme le disait tout à l'heure la commissaire Suica. Attendons d'être surpris, attendons d'entendre la complexité, les contradictions que les citoyens vont pouvoir pointer et de les associer en toute intelligence, de manière adulte, à la réflexion sur les problèmes qui sont devant nous avec l'incertitude qui est devant nous. Et donc ce travail de manifeste des métropoles participatives propose la mise en place d'un service public de la participation à l'échelle métropolitaine pour justement s'assurer que la manière de solliciter les citoyens ait une influence sur les décisions qui sont prises, les associe dans leur diversité, en entendant à la fois les citoyens qui sont dans des démarches d'interpellation, des démarches d'initiatives citoyennes, de contributions, qui ne rentrent pas forcément dans les cases de nos collectivités et de nos manières de penser les politiques publiques, être surpris, accepter d'être bousculé, mais mettre en place des processus sincères, d'écoute, de la diversité des opinions et de retour sur ce qui est fait de cette parole. C'est ça l'esprit de ce manifeste, et finalement c'est l'esprit que nous portons aussi à l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne pour tous les échelons, que ce soit à l'échelle plus locale ou départementale, régionale, nationale évidemment, et européenne. Et de votre expérience, est-ce que vous diriez que c'est plutôt une démarche proactive des décideurs politiques de mettre un cadre pour la participation citoyenne, ou est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai besoin exprimé des citoyens d'être plus impliqués dans les décisions publiques de quartier? Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, ces trois dernières années, je dirais que notre manière de penser la démocratie a été un peu bousculée. Il y a eu à la fois énormément de mouvements sociaux autour, par exemple, des marches pour le climat, des grèves de la jeunesse pour le climat, autour, bien sûr, des gilets jaunes qui sont venus s'opposer à des décisions qui leur semblaient injustes et injustifiées. Et du coup, ça nous oblige aussi, qu'on soit décideur public, qu'on soit citoyen, qu'on soit praticien de la concertation et de la participation comme moi, à s'interroger sur la manière d'ouvrir nos oreilles et de recréer des capacités de dialoguer, sans être forcément d'accord, mais dans un espace serein qui permette d'avancer pour construire le monde de demain qui est souhaitable. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Johanna Roland, on a beaucoup d'incertitudes sur demain, mais ce qu'a révélé la crise, c'est aussi le souhait de faire un temps de pause, un pas de côté, pour s'interroger sur le monde qu'on est en train de créer et comment mettre l'innovation, y compris l'innovation technologique, au service d'un projet de société qui soit fédérateur et qui soit juste, qui ne creuse pas les inégalités et au contraire qui les comble. Et donc cette démocratie bousculée-là, elle est à la fois le fait de mouvements ascendants et elle est aussi un temps de réflexivité pour beaucoup de décideurs publics qui veulent faire une place beaucoup plus systémique à la parole des citoyens dans la fabrique des politiques publiques. Donc c'est un double mouvement et je dirais, au fond, c'est très bien que la démocratie soit bousculée. Ce serait quoi l'inverse d'une démocratie bousculée? Une démocratie momifiée, une démocratie morte, ça serait vraiment très dommage. Donc prenons cette crise dans cet inconfort, crise démocratique j'entends, comme une belle occasion de recréer la confiance parce qu'on aura un cap commun. Et comme disait Hannah Arendt, tous les citoyens sont aptes à s'exprimer sur les finalités de la société. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à trouver les moyens, les associer à cette expression? Et l'outillage viendra après. La première question, c'est la posture et la capacité à ouvrir notre gouvernance à des points de vue très différents qui vont dialoguer, qui vont maturer ensemble pour construire du commun. Et pour revenir un petit peu au thème de l'innovation, sans seulement parler d'outils technologiques, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il n'a jamais été plus possible de créer ces conditions de démocratie participative, d'implication totale des citoyens dans des prises de décision? Alors, si la question est la question de l'outillage et des outils pour associer les citoyens, il y a effectivement tout
un outillage, on va dire, procédural, qui est notamment issu des sciences sociales depuis plus de 30 ans, notamment les conventions citoyennes dont on parlait, qui sont elles-mêmes aussi inspirées des conférences de citoyens. Il y a toute une littérature de sciences sociales qui met à jour les conditions et les principes à respecter pour réussir des démarches de délibération participative de grande qualité. Il y a aussi aujourd'hui un certain nombre d'outils autour du numérique, autour des civic tech, autour du design des politiques publiques. Ces outils existent. L'enjeu, c'est de les organiser en tant que processus apprenant et processus qui puisse peser sur les décisions. Et c'est là, souvent, qu'il y a encore une petite jonction à faire. Vous évoquiez l'Union européenne. Ça fait de nombreuses années que l'Union européenne investit dans des programmes de recherche sur ces questions d'innovation démocratique. Il y a eu notamment, alors dans ma vie professionnelle, donc à mission publique, non pas dans ma vie bénévole à l'Institut, on a eu l'occasion d'accompagner plusieurs programmes de recherche, notamment qui s'appelait Simulact, et qui associait en fait les citoyens à l'élaboration de l'agenda de recherche de Horizon Europe. Donc il y a eu énormément d'innovations qui ont été faites pour imaginer avec les citoyens comment on peut peser, y compris à l'échelle européenne, sur des procédures. La question fondamentale, c'est, comme dans toute innovation, la question de l'appropriation. Ce n'est pas dans la diffusion de l'innovation, c'est la question de l'appropriation. Comment faire en sorte que ces savoirs théoriques, ces savoirs méthodologiques qui existent, soient appropriés et par ceux qui peuvent les mettre en place, les décideurs, mais aussi par les acteurs économiques. Comment, par exemple, faire en sorte que demain, les acteurs de la recherche plus industrielle qui vont développer des innovations technologiques associent aussi les citoyens en amont pour vérifier finalement aussi les besoins et l'adéquation entre ce qui est développé et les besoins des citoyens pendant, dans un principe un peu d'évaluation continue, et puis en aval. Comment faire en sorte que demain, toutes les recherches qui ont lieu, par exemple, sur les nouvelles formes de mobilité autonome, sur, je ne sais pas, sur, ça peut être sur des questions de biotechnologie, soient pensées avec et pour les citoyens. Donc, il y a encore une hybridation à faire, et donc, c'est là, sans doute, la prochaine étape et le prochain défi. Ouais, la question de l'appropriation me paraît intéressante pour faire des parallèles dans l'innovation marché. C'est clair qu'il y a beaucoup de recherches et de nouveaux produits qui sortent et qui finalement ne rencontrent pas de réelles demandes. Si on fait ce lien avec la démocratie participative, est-ce que cette demande ou l'appropriation se fait finalement par la légitimité d'une décision ? Dans une démocratie, je suppose que le vote reste le socle de la légitimité. Est-ce que c'est les décideurs politiques qui ont du mal éventuellement à trouver légitime des résultats de processus participatifs ? Ou est-ce que c'est les citoyens eux-mêmes qui ont une certaine méfiance vis-à-vis de peut-être certains groupes qui amèneraient à des décisions plus que d'autres ? Parce que c'est toujours difficile d'avoir vraiment une démocratie participative qui impliquerait tous les groupes sociaux possibles et imaginables. Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur cette question de légitimation d'un processus de démocratie participative. Je dirais que là encore, la légitimation, elle est double. Effectivement, c'est plus légitime si les règles du jeu sont connues à l'avance et si la détermination du problème qui est mis sur la table pour être résolu collectivement indique déjà ce que chaque partie, à quoi chaque partie s'engage et ce qu'elle est prête à faire. Et cette question des engagements réciproques, qui est d'ailleurs au cœur de ce manifeste, mais qui aujourd'hui au cœur de nombreuses chartes et déclarations dont se dotent les villes elles-mêmes ou les régions, c'est un point important pour la légitimité. Il faut y avoir de la clarté. Il faut savoir à quel jeu on joue, quoi. Il faut savoir dès le début. Et si les citoyens ne savent pas dès le début, ils peuvent avoir l'impression d'être à la fin les dindons de la farce. L'autre point pour la légitimité, finalement, c'est aussi vous parliez la question de la confiance. En fait, la confiance, elle vient parce que, en tant que citoyen, on a pris du temps pour participer à une démarche de démocratie délibérative, où on a interpellé les élus dans une démarche de démocratie d'interpellation, ou encore on a monté une initiative de solidarité. Ça, on en a vu énormément pendant ce temps de crise, complètement en dehors du radar des institutions. Mais on a le sentiment que ça a changé la vie des gens. Et donc, l'indicateur de réussite finale, c'est en quoi ça modifie la vie quotidienne des individus sur un territoire. Demain, les citoyens qui participeront au panel
au panel que la Commission européenne va lancer sur l'avenir de l'Europe autour de sujets chauds, de sujets importants de l'Europe, vivront bien sûr une expérience transformatrice pour eux parce qu'ils vivront ce qu'est l'Europe quand ils vont se retrouver, je l'espère, dans une même salle avec des habitants des autres pays membres. On vit ce qu'est l'Europe, du coup ça devient tangible, mais surtout ils auront confiance dans le processus quand ils verront que la manière de conduire les politiques européennes sera en partie modifiée, alors pas radicalement changée, mais peut-être beaucoup plus proche des aspirations des citoyens à plus de justice sociale. C'est ça qu'on entend énormément depuis plusieurs années, aussi au cœur du grand débat national ou autre, plus de justice sociale et une réussite de la transition écologique. Alors vous évoquez des grands sujets, je me dois de poser cette question un peu bateau peut-être, mais y a-t-il des sujets trop complexes pour une participation citoyenne efficace, effective? Alors, en tout cas, moi, notre conviction, je dirais, je pense, celle de tous les membres de l'Institut de la concertation et participation citoyenne, et là, en tant que co-directrice du mission publique, ma conviction, nourrie par 20 ans d'expérience, c'est qu'il n'y a aucun sujet qui est trop complexe. La question fondamentale, c'est comment on partage l'information nécessaire pour que les citoyens se fassent une opinion éclairée sur un sujet complexe. Et partager l'information, c'est partager une information qui est elle-même pluraliste, parfois contradictoire, dans laquelle on assume et on rend visible, on rend explicite le fait qu'il y a des intérêts en présence qui sont divergents. Pensez à la 5G par exemple, mais on peut penser aussi à des sujets de controverses scientifiques et techniques. On a eu l'occasion de travailler sur la question des déchets nucléaires lors d'une conférence de citoyens, ou à Nantes Métropole il y a quelques années sur les conditions d'implantation des antennes relais. C'est des sujets qui sont complexes, c'est des sujets qui sont clivants, mais on progresse beaucoup collectivement quand on arrive à expliciter ce sur quoi nous sommes d'accord sur ces sujets et parfois aussi des dissensus très importants sur lesquels aussi les élus ont tout leur rôle pour trancher. Et quelque part, si on arrive à court-circuiter cette double délégation qui constitue nos sociétés, une délégation de notre voix politique à nos représentants, délégation de notre capacité à penser les sciences et les techniques aux scientifiques, le court-circuiter non pas en mettant ce système à plat, mais en introduisant les citoyens au cœur du dialogue avec les élus et avec les scientifiques pour pouvoir ensemble s'interroger sur le sens, sur le bien fondé de telle ou telle innovation, de tel ou tel sujet. Je rejoins tout à fait Jonas Roland, l'innovation elle n'est pas bonne en soi, elle est bonne quand on est clair sur le projet de société qu'elle porte et qu'elle sert. Et on en revient à la question de l'impact. Et donc, si je comprends bien, pour vous, l'impact recherché de tous ces processus-là, c'est la confiance, finalement. Il faut recréer cette confiance entre citoyens, décideurs, pour avoir une décision politique au final qui soit légitime, appropriée par les territoires, par les villes, par les citoyens. Alors, je dirais que l'impact, la démocratie participative, elle est au service, elle doit être au service d'une démocratie plus riche, plus vivante, plus inclusive. Alors, la confiance, c'est une incidence, et c'est une incidence qui est importante, parce qu'aujourd'hui, quand certains élus sont élus avec des taux d'abstention majeurs, on doit bien imaginer qu'ils doivent réactualiser le pacte de confiance avec les habitants autrement qu'en attendant la prochaine élection. Mais la confiance, c'est une incidence. L'impact qu'on cherche, c'est vraiment d'améliorer la vie des gens. Peut-être ça peut paraître très bateau de le dire comme ça, mais la politique publique, elle est au service d'un quotidien dans lequel les citoyens vivent mieux ensemble sur un territoire, avec plus de solidarité, en réussissant les défis de transition écologique et autres qui sont devant nous. Et c'est ça l'impact. Ensuite, ça doit recréer de la confiance parce qu'on a une démocratie qui est revivifiée et plus inclusive. Mais l'impact, vraiment, c'est d'être justement au clair sur le projet société que ça doit servir et qui se construit avec les habitants. Et il y a des projets de société très, très différents qui cependant veulent impliquer les citoyens. J'imagine différentes visions qu'on se fait de la société peuvent amener des projets participatifs dans un sens ou dans l'autre selon comment on les structure, les méthodes qu'on va employer. J'imagine que ça peut avoir une énorme incidence sur le résultat final. Oui, bien sûr, mais la question c'est est-ce qu'on est capable de construire ce projet de société avec les citoyens dans leur diversité et dans leurs contradictions. Ce n'est pas de faire adhérer des citoyens à un projet de société qui serait prédéterminé. C'est normal qu'il y ait des projets de société, des visions en tout cas différentes de la société qui s'expriment.
Heureusement, c'est ça une démocratie. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité de faire un pas de côté et de se dire, est-ce que le projet de société que nous portons est aujourd'hui en adéquation avec ce que les citoyens souhaitent et veulent profondément. Et là, l'idée, c'est pas d'en rester à une expression spontanée, hein, je suis pas dans une logique sondagère, mais plutôt de comment on crée du dialogue au sein de la société, une société très clivée, qui est la nôtre, pour réfléchir à ce qu'on veut. Je fais le lien avec la convention citoyenne que lance Nantes Métropole et qu'on va avoir le plaisir d'accompagner côté mission publique. L'enjeu, ça va être de humblement se laisser surprendre par la manière dont les habitants ont vécu cette crise et de simplement de stopper un instant nos prénotions sur cette question, ce qu'on pense savoir, ce que les études aussi des sciences sociales nous ont dit, même si c'est très utile, pour se dire au fond comment ça a été vécu profondément et quel champ de questionnement ça fait apparaître. Sur les différents niveaux, on a eu le niveau européen, vous travaillez aussi au niveau national, on a également forcément le niveau d'une ville comme Nantes. Est-ce que vous pensez que ces processus sont possibles à toutes ces échelles? Est-ce que vous y croyez vraiment que c'est possible d'avoir ce type de processus au niveau européen? Ou est-ce que ça reste quand même quelque chose qui se fait au mieux, le plus localement possible? Alors, si c'est une question de, il y a une question de croyance et une question de pratique. En termes de conviction, je suis persuadée que ces questions-là valent à toutes les échelles, y compris à l'échelle mondiale. Il y a des sujets qui n'ont de sens que si on les traite à l'échelle mondiale. Quand on parle des enjeux climat, des enjeux environnementaux, ce sont des phénomènes mondiaux qui doivent aussi être pris en main par une participation citoyenne à l'échelle mondiale. Pour autant, les processus qui vont permettre de rapprocher la voix des citoyens dans leur diversité et dans leur quantité avec les décideurs sont encore à construire. Et c'est vraiment cette question de l'intégration dans les politiques publiques qui reste à construire. Demain, quand la conférence sur l'Europe aura lieu, tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte que les résultats qui en sortent soient appropriés, là, bien sûr, par l'échelon européen, mais je dirais un peu en cascade, par les échelons nationaux et régionaux, pour que chaque échelon se dise finalement que puis-je faire de cette production collective, en quoi ça vient interroger ma propre manière de concevoir les politiques publiques. Et je voudrais juste finir là-dessus, il y a une phrase de Paul Ricoeur, qui est un philosophe qui est disparu il y a quelques années, qui disait « il n'y a pas de sans voix, il n'y a que des sans oreilles ». Donc on va essayer de trouver la bonne manière d'avoir des sonotones puissants. C'est vrai que dans le dialogue, on oublie souvent qu'il faut écouter. Vous avez raison. Un grand merci, Judith, pour cet échange. Ça a été un plaisir. Je pense que ça lance aussi ces deux jours de conférences qui vont beaucoup parler de ce thème de la citoyenneté qui était important dans la candidature de Nantes à la capitale européenne de l'innovation. Judith, merci d'avoir beaucoup été avec nous. Et je donne le mot de conclusion de cette séance d'ouverture à Monsieur Jean-David Malot, qui est directeur du Conseil européen de l'innovation, qui nous rejoint depuis son bureau, je pense, à Bruxelles. Jean-David, je vous laisse la parole. Bonjour Jean-Paul, et merci beaucoup d'abord pour l'occasion qui m'est donnée de participer à cet événement, qui est un événement d'importance et auquel nous souhaitions absolument montrer notre intérêt. Je voudrais d'abord, en guise d'introduction, partager avec vous les quelques mots de notre commissaire Maria Gabriel, qui aurait tellement souhaité être présente aujourd'hui et qui malheureusement, pour des raisons que vous connaissez, ne peut pas l'être et qui m'a demandé de la remplacer. J'aurai l'honneur en fait ici de vous livrer en fait le discours qu'elle souhaitait vous adresser sur un sujet qui m'est également très cher, puisque comme vous le savez, ces questions d'innovation, mais plus particulièrement d'innovation impliquant la participation citoyenne sont au cœur des activités de la direction que j'ai l'honneur de mener et au sein de laquelle en fait se trouve le programme iCapital, Innovation Capital, dont la ville de Nantes a été la lauréate. Je voudrais donc avoir le plaisir de partager avec vous un certain nombre de réflexions sur ces questions et de le faire au nom de la commissaire Maria Gabriel.
Pour nous, les villes, par nature, aujourd'hui, font partie intégrante de la dynamique de l'innovation. Elles ont, ces villes et ces agglomérations urbaines sont des espaces où, par nature, les innovateurs et les entrepreneurs s'établissent, se développent, deviennent les moteurs du progrès technologique, de la croissance économique, de la création d'emplois et de la stabilité sociale et économique. La plupart des défis, en fait, auxquels nous sommes confrontés, auxquels nos sociétés sont confrontées, sont concentrés dans les zones urbaines, mais c'est aussi au sein de ces mêmes zones urbaines connaissent la plupart des innovations, celles qui permettent de répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, nous en avons un parfait exemple. Le rôle des villes et des agglomérations urbaines est plus que jamais essentiel pour permettre aux citoyens de faire face et de s'adapter dans leur vie et dans leur quotidien à un environnement qui a radicalement changé en très peu de temps et qui ne cesse d'évoluer. Ce sont aussi les villes qui joueront un rôle essentiel dans le quotidien de nos citoyens, dans le retour à une nouvelle normalité, nous attendons bien évidemment tous, qui contribueront à la reprise économique et à la transition vers une économie et un environnement plus compétitifs, plus verts, numériques et durables. Pour y parvenir, l'Europe dispose de nombreux atouts. Elle peut compter sur une base de recherche et d'innovation solide et florissante, dont la pierre angulaire est, comme vous le savez, le soutien à l'excellence. Et grâce à tout un ensemble d'actions ambitieuses qui puisent leur dynamisme dans la diversité de l'ensemble de nos pays européens, l'Europe s'efforce de donner aux innovateurs et aux entrepreneurs les moyens de s'épanouir dans des environnements propices à la stimulation des innovations technologiques impliquant de nombreux endroits et de plus en plus nos citoyens. Les recherches et les innovations se traduisent à leur tour ensuite en valeur économique. Elles génèrent des solutions, des innovations parfois de rupture qui peuvent faire peur mais qui peuvent aussi être la source de nouvelles opportunités. Elles créent des produits et des services commercialisables essentiels à la croissance et à l'emploi dans nos régions et dans nos villes. Faire émerger ce terrain favorable à l'innovation, soutenir des écosystèmes solides, durables et plus intégrés, qui soutiennent nos entreprises, qui soutiennent nos innovateurs, et comme vous le savez, au cœur des priorités de la commissaire Maria Gabriel. Ces écosystèmes doivent garantir l'accès aux ressources, qu'il s'agisse de capital ou de talent. Ils doivent stimuler la coopération, ils doivent permettre une véritable démarche participative, encourager les partenariats publics-privés, associer les citoyens à l'émergence de nouvelles idées et à la prise de décision. C'est cet objectif que se fixe dans de nombreux endroits le futur programme cadre de recherche et d'innovation Horizon Europe, à travers un ensemble d'initiatives, à commencer par le Conseil européen de l'innovation que j'ai l'honneur de diriger à l'heure actuelle et de porté sur les fonds baptismaux. Par cette initiative, nous veillerons à ce que les jeunes entreprises innovantes reçoivent le soutien nécessaire à leur création et à leur croissance et puissent accéder aux marchés nationaux, européens et mondiaux qui leur sont essentiels. Notre ambition est clairement d'aider les jeunes pousses à se former, à se développer et à croître en Europe. Cet objectif, pour être atteint, doit reposer, à mon sens, sur trois éléments : le soutien financier, l'accès aux talents, l'interconnexion entre nos différents écosystèmes d'innovation. Le lien entre tous les acteurs de l'innovation doivent être créés et maintenus, non seulement au niveau national, mais aussi au-delà de nos frontières. Mais aussi, et je tiens à le souligner, et j'entendais il y a quelques minutes Judith Ferrando le souligner à juste titre, au niveau régionaux et locaux. Aujourd'hui, plus que jamais, nos sociétés ont besoin de compétences entrepreneuriales pour transformer les incertitudes de l'avenir en perspectives de croissance et ainsi attirer les talents qui trouveront les solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain. Il est également primordial d'aborder le financement de l'écosystème d'innovation sous une approche et une vision plus large. Nous devons continuer à investir dans des entreprises en phase de démarrage, les soutenir dans leur croissance, mais aussi leur accorder un droit à l'essai et un droit à l'erreur. Cette transformation appelle aussi une transformation du secteur public et des politiques qui accompagnent nos innovateurs et nos entrepreneurs. Et je voudrais ici insister sur le fait qu'il est urgemment nécessaire de prendre plus de risques dans nos différentes politiques locales d'innovation, et y compris dans l'ensemble de nos activités liées à nos marchés publics.
Nous devons aussi favoriser les synergies entre la politique de cohésion et la politique de recherche et d'innovation au travers des fonds structurels et de Horizon Europe. Nous devons le faire en exploitant des synergies entre les investissements provenant des fonds de la politique de cohésion en faveur de l'innovation et les initiatives de recherche et d'innovation soutenues par Horizon Europe. Nous avons les moyens de stimuler cette excellence dans toute l'Europe, dans chacun de nos territoires, dans chacune de nos régions, dans chacun de nos villes, dans chacune de nos villes. Il ne relève que des décideurs politiques de pouvoir mettre en pratique ce que les décisions politiques à haut niveau ont d'ores et déjà permis. C'est là que les écosystèmes d'innovation jouent un rôle central et ouvriront de nouvelles perspectives pour des économies plus durables et inclusives. Pour y parvenir, nous devons à la fois renforcer les écosystèmes d'innovation déjà en place, mais aussi faciliter leur interconnexion. En particulier, les stratégies de spécialisation intelligente ont sur ce point un énorme potentiel et un rôle majeur à jouer. Les capacités d'innovation et la coopération entre l'industrie, la recherche, les organismes publics et la société physique et la société civile se sont améliorées dans de nombreux pays. Beaucoup reste néanmoins à faire. Cette coopération, qui est indispensable pour soutenir des priorités ciblées et adaptées aux spécificités de chaque région, a en soi d'ores et déjà été un formidable moteur d'innovation, mais d'énormes potentiels sont encore à explorer. Les priorités en matière de spécialisation intelligente permettent également de renforcer la collaboration et la participation interrégionale dans les projets multi-pays du programme Horizon Europe. C'est pourquoi le rôle des stratégies de spécialisation intelligente sera renforcé au cours de la prochaine période de programmation et la transition industrielle fondée sur l'innovation fera partie intégrante du nouveau concept de spécialisation intelligente. Les avancées technologiques ne sont plus l'apanage d'une poignée de villes ou de pays en Europe. De nombreux pays européens peuvent désormais revendiquer le fait d'avoir, par exemple, vu émerger une ou plusieurs licornes, ces entreprises valorisées au-delà d'un milliard de dollars. De plus en plus d'entreprises de ce calibre naissent en Europe et notamment en provenance de nos centres d'excellence, de nos universités. Et leurs fondateurs choisissent désormais de créer ces jeunes pousses là où elles se trouvent, s'appuyant davantage sur les communautés technologiques locales et ouvrant la voie aux champions de catégorie mondiale de demain. La technologie est également devenue un facteur essentiel pour renforcer la résilience des villes, promouvoir la solidarité, garantir la survie de nos écosystèmes d'innovation et en définitive permettre que personne ne puisse être laissé pour compte. C'est là encore que les villes jouent un rôle clé. Et permettez-moi, puisque cet événement se passe à Nantes, même s'il est virtuel, de souligner que la ville de Nantes en est un excellent exemple. Vous l'avez souligné, Jean-Paul, il y a quelques minutes, elle a été lauréate du prix de la capitale européenne de l'innovation en 2019. Et Nantes a su développer son potentiel et répondre à son ambition de devenir l'une des principales villes innovantes d'Europe. Pour réaliser cette ambition, elle a su innover avec et pour ses citoyens. Le « pour ses citoyens » et le « avec ses citoyens » n'est absolument pas anodin. Il est au cœur de la réflexion de la ville de Nantes. À noter que c'est exactement la même approche qui a été suivie par la nouvelle capitale européenne de l'innovation annoncée il y a quelques semaines, qui est la ville de Leuven. Mais pour continuer sur Nantes, Nantes est un véritable exemple. Et je tiens particulièrement à souligner ici les initiatives que Nantes a prises et qui ont permis d'associer ses citoyens au développement de leur ville et de les associer au débat portant sur l'ambition de la ville de Nantes en matière d'innovation. Donc permettez-moi d'en citer quelques exemples. Les grands débats pour discuter de sujets tels que la transition énergétique, les 15 places à réinventer et des centaines d'initiatives citoyennes similaires, une sélection compétitive d'idées soumises par des citoyens qui a abouti par exemple à transformer une chapelle inutilisée en une ferme urbaine de champignons, un centre de sensibilisation zéro déchet ou encore une cantine solidaire et bien entendu des initiatives visant à soutenir les innovateurs comme Nantes City Lab, permettant aux innovateurs de tester de nouvelles solutions dans la vie réelle en leur fournissant des infrastructures physiques et digitales, l'usine créative
un système de soutien aux industries créatives et culturelles et l'usine d'éco-innovation, un programme qui sélectionne des projets tels que la collecte de biodéchets dans les restaurants et les bureaux équipés de remorques à vélo pour le compostage local, ou encore le programme Nantes French Tech Capital qui encourage les jeunes pousses, les scale-up, l'attraction des talents et les technologies de pointe et permet la coordination et la promotion de l'écosystème régional d'innovation. Ces initiatives, je n'ai pas peur de le dire, sont clairement extraordinaires et illustrent parfaitement ce que l'on entend par banc d'essai pour l'innovation, illustrent parfaitement notre propre démarche de co-création, l'engagement des citoyens et la réponse aux défis sociétaux les plus urgents. Un dernier point, mais non des moindres, les villes jouent un rôle clé dans la poursuite des objectifs du pacte vert, du Green Deal, pour utiliser un anglicisme cher aux administrations communautaires, en particulier en ce qui concerne la décarbonisation, bien sûr, et la numérisation de nos sociétés. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'Horizon Europe, une mission du pacte vert pour des villes neutres en matière de climat et de villes intelligentes est en cours de préparation. Grâce à cette mission, les villes sélectionnées recevront le soutien nécessaire pour parvenir à la neutralité climatique et accélérer la numérisation de leurs infrastructures d'ici à 2030. À leur tour, ces villes ouvriront la voie à la neutralité climatique pour tout un ensemble et en l'espérant toutes les villes européennes d'ici à 2050, qui est l'objectif que nous nous sommes fixés dans le cadre du pacte vert. Je voudrais insister pour conclure sur une dernière dimension relevant des écosystèmes européens d'innovation. Pour que les étudiants, les chercheurs et les innovateurs puissent s'épanouir, un environnement qui leur soit favorable doit absolument être mis en place. Ainsi, la Commission, en partenariat avec d'autres acteurs ou un ensemble de ses programmes, comme le Conseil européen d'innovation, a proposé dans sa proposition Horizon Europe un soutien clair et affiché aux écosystèmes d'innovation afin de promouvoir les politiques, les initiatives et les actions qui faciliteront le développement des écosystèmes nationaux, régionaux et locaux d'innovation. L'interconnexion de ces écosystèmes au niveau de l'Union européenne est un défi majeur. Elle permettra aux innovateurs de se mettre en réseau, de se compléter mutuellement, de bâtir sur leur valeur ajoutée mutuelle, de faire connaître leurs idées en Europe et dans le monde et de s'appuyer sur des ressources réglementaires, financières et principalement humaines, appropriées pour démarrer et développer des projets et initiatives innovantes au service des objectifs et du modèle de société qui est le nôtre. Les activités visant à stimuler les écosystèmes d'innovation de l'Union européenne comprendront notamment la mise en relation avec l'ensemble des acteurs. C'est dans ce cadre, par exemple, que la semaine dernière, nous avons signé un accord de coopération renforcée entre l'EIC et l'EIT, l'Institut européen d'innovation et de technologie. Mais d'autres types de partenariats de ce type doivent se faire jour afin de permettre à nos innovateurs et à nos citoyens de pouvoir bénéficier des différentes innovations pouvant émerger. Elles favoriseront entre autres les échanges de pratiques et de connaissances sur la réglementation de l'innovation, le renforcement des compétences non techniques pour les actions en matière d'innovation, de recherche et d'innovation, y compris innovation ouverte ou axée sur les innovateurs. Et c'est dans ce cadre que nous avons souhaité mettre sur pied un forum d'échange de vues, qui s'appelle le Forum du Conseil européen d'innovation, dans le cadre des écosystèmes d'innovation, qui encouragera la liaison, la coordination et le dialogue entre les autorités publiques compétentes des États membres sur tout sujet pertinent permettant de renforcer les écosystèmes d'innovation de l'Union européenne et de les rendre plus efficaces, mais aussi de le faire avec l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse d'entreprises, de chercheurs, de citoyens. Les activités visant à stimuler les écosystèmes d'innovation comprendront donc un ensemble d'acteurs et nous souhaiterons également dans ce cadre renforcer les synergies qui doivent se faire jour avec la politique régionale. En conclusion, j'aimerais encourager et responsabiliser les innovateurs talentueux qui se trouvent dans les écosystèmes locaux et régionaux à poursuivre leurs efforts en utilisant tous les instruments et toutes les possibilités de financement et de soutien disponibles.
Nous avons, au niveau de la Commission européenne et globalement au niveau de l'Union européenne, l'intention de les soutenir à chaque étape de leurs efforts. Notre avenir est clairement un écosystème solide et uni de l'Union européenne, n'oubliant personne, qu'il s'agisse de jeunes pousses ou qu'il s'agisse de grandes entreprises. J'encourage dans ce cadre les villes à participer activement aux initiatives européennes, car c'est avec leur aide, avec leur implication, que nous mettrons l'Europe sur la voie de la reprise et de la croissance et que nous pourrons défendre et pousser plus loin encore notre modèle de société compétitif, inclusif, plus vert et durable. Merci pour votre attention. Grand merci Jean-David Malot d'avoir été parmi nous, de nous avoir offert ces mots de conclusion pour la cérémonie d'ouverture. Le Nantes Innovation Forum est désormais bien lancé et on va essayer de mobiliser tous ces acteurs de l'innovation du territoire nantais et au-delà pour faire ces innovations que vous avez appelées de vos voeux. Pour ma part, donc, je clôture cette première séance d'ouverture. On se retrouve dans 4 à 5 minutes pour la prochaine table ronde qui s'intitule « Comment les entreprises de services publics peuvent contribuer à une reprise européenne ». Bon Nantes Innovation Forum à vous.